chaud devant. Oui, 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 attention, Bill. Je suis pas une boîte de conserve. Merci, Bill. J'ai une mauvaise nouvelle. Les vacances sont annulées. C'est n'importe quoi. Le nouveau directeur du camping n'accepte plus les animaux. Désolé, je n'ai pas très envie de jouer. Je vais chez Pouf. À plus. Non, mais qu'est-ce qu'il croit qu'il va se débarrasser de nous comme ça? Allez, viens, Caro. Salut, Boule. Ça va? Mes vacances au camping sont annulées à cause de Bill et Caro. C'est la cata. Ah bon? C'est nul, mais je suis malade, là. J'ai le nez qui coule, mal aux dents, et en plus, ça me gratte de partout. Désolée pour toi, Pouf. Bon, bah, je vais voir Noisette. À plus. Il a vraiment l'air déçu. J'ai peut-être une idée pour lui remonter le moral. Alors, vous êtes partant? Ouais, c'est parti. Loulou, toi, tu nous rapportes des trucs de ta maîtresse contre les coups de soleil. Qu'est-ce qui se passe? On a raté quelque chose? On va fabriquer un camping à la maison pour Boule. Chouette, non? Oh, ouais! On fait quoi, nous? Vous, c'est la déco. Il nous faut des fleurs, des branches. Pas de problème! Et de la dentelle! Oh. Bah quoi, t'aimes pas la dentelle? On commence par le garage. Il y a un tas de super trucs là-dedans. Salut Noisette, on va jouer au parc? Désolée, je pars tout à l'heure en colo. Et toi, tu devais pas partir en vacances? Non, je reste ici, ça a été annulé. T'inquiète, c'est pas trop grave. Bon bah à bientôt Noisette. Ah, je sens qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut là-dedans. Oh non! Aide-moi un peluche, ça fera un bon parasol. T'aimes pas mon chapeau de plage, Ming? Ah si, t'as l'air d'un parfait idiot. C'est quoi contre les coups de soleil? Et puis zut, je les prends tous. Vas-y, Rocket, va chercher. Wow, Axel, ton chien est super. Ouais, je sais, c'est le meilleur. Tu veux lui en lancer une? Oh oui, oh oui. Ah ah. Et voilà, un parasol. Et un chapeau de plage. Merci les copains. Venez, j'ai besoin d'un coup de patte. Et voilà, c'est parfait. Tu trouves ça parfait? Un camping sans piscine, c'est pas un camping. Et il suggère quoi, le crotal? Eh bien, j'ai une piscine gonflable chez moi. Vous trouvez pas ça louche? Mais en même temps, il a raison, on n'a pas de piscine. Et pourquoi tu veux nous aider? Caporal, c'est l'heure du bain. S'il vous plaît, sauvez-moi du bain. Emmenez la piscine. Au fait, tu pars où en vacances, toi? Bah, c'est-à-dire que... Et toi, tu pars où? Moi, je vais à New York. Débarrasse-moi de cette piscine. Ma maîtresse revient avec le shampoing. Dis donc, c'est le bazar chez toi. Oui, ménage de printemps. Et après, c'est toi qui vas ranger tout ça? Non, c'est Georges. Ma maîtresse l'a programmé. Il range tout. La parole, j'arrive. Hé, les copains.
un ami, Dita. Tada! Regardez, j'ai pris tout ce qu'il nous faut pour nous protéger du soleil. Ah, trop chouette, j'ai horreur des coups de soleil. Oh là là! Eh ben dis donc, la déco, elle est pas au point. Ah ouais? Parce que tu crois que tu ferais mieux, toi? Ben, franchement, ça devrait pas être trop dur. C'est un peu facile d'arriver quand tout est fait et de critiquer. Burke, c'est quoi ça? Je sens bien que le caporal a pris son bain. Ah zut, les flacons se ressemblent tous. J'ai pris du coco chenil numéro 5, un parfum de luxe. Franchement, Loulou, et tu veux me donner des leçons à moi? Parfaitement. Tu vas voir, c'est moi l'as de la décoration. Bah, ces fleurs sont très bien où elles sont. Et ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Oh, ça va, arrêtez de vous disputer. Notre camping est parfait. Oh non. Oh. Arrêtez. Ça suffit. Je veux plus vous voir. Allez, au revoir, Oust. Allez, venez. On a fait assez de bêtises comme ça. Et après, je vais aller visiter la Statue de la Liberté, manger des hot dogs et voir un match de football américain. Waouh, c'est trop génial que tu puisses faire ça avec Rocket. Rocket? Ben non, il va rester ici au chenil. Hein? Quoi? C'est vraiment la cata chicata. Adieu le camping. Hein? Peut-être pas. Je reviens. Qui va là? Du calme, sa capuce. Je suis là pour te donner un tuyau. Ah ouais? C'est-à-dire? Du hareng frais. Hein? Il vient d'y avoir un arrivage chez le poissonnier. Miam! Trop facile. Comme un chaton. Comment ça s'allume, ce machin? Mais il est ouf, ce truc! Arrête ça tout de suite! Oh, le traître! Il a volé Georges! Tais-toi, caporal. Ce n'est pas encore l'heure de manger. Attends un peu. Aïe! Caporal! Attrape-le vite! Mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il se prend pour le Père Noël? Hein? À nous deux. Et je vais tenter deux boutons à la fois. Excellent. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin, caporal? Mais où est passé Georges? Oh! Le voilà. Stop! Caporal!
Caporal, tu as l'air malade. Toi, tu as encore mangé trop de harengs, c'est ça? À la diète. Oh, je me vengerai, Bill. Tu crois pas qu'il va être triste, Roquette, au chenil? Attends, tu rigoles, hein? Il va aller dans un chenil top classe, Roquette. Remise en forme, spa, nourriture de chef, avec soupe d'épinards et brocoli bouilli à tous les repas. New York, hein? Moi, j'aimerais bien y aller, mais pas sans but le carreau. Waouh! Un camping à la maison? C'est vraiment trop cool! Merci les copains, c'est une super surprise. Et si on invitait Pouf? Waouh! On va quand même pouvoir s'amuser finalement. Bonne nouvelle! On a trouvé un endroit qui accepte les animaux. On part dans 2 jours. Youpi! Hourra! Maman, ça serait trop bien d'inviter Pouf. Oui, pas de problème, s'il va mieux, il vient avec nous. Merci madame. Ah bah, je crois que je suis déjà guérie. C'est ouf, non?